écoutez, on va essayer de suivre. Hein. À la base, j'attends bon pour voir là. Bien qu'on s'est sorti, comme ça, j'ai les yeux pour me boucher de pain. C'est souvent le cas pour le coup pour le peu fou pour les trucs. Mais attendre n'est pas forcément utile parce qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est que les revendeurs de jeux, Amazon, la Fnac ou autres, se battent pour descendre le jeu le plus possible. De manière à attirer les clients, quitte à vendre les jeux aussi à perte, pour attirer tu vois, les clients sur leur boîte. Sur leur site, excuse-moi, pour dire autre chose. Là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, quasiment n'importe quel jeu, tu paieras pas 80 euros. Tu vas l'acheter 55, 60 balles. Et si t'attends un peu, t'as les promos. T'as tout le temps les promos, soit sur Sony ou ailleurs. Hein. Donc c'est pas spécialement un problème, quoi. Bon, déjà, on va écouter, on va faire la quête. Il y a une guide, faire la quête pour. Pour avoir. Non, pour avoir Yoshi. Hein. Pourquoi il me parle de Yoshi. On va avoir Yoshi, et puis voilà. Il n'y a pas de banane en plus. Okay. Bon, alors jouer. D'ailleurs, j'ai pas tout compris ce qu'il fallait faire déjà. Alors, déplacer vers l'avant, déplacer vers la droite. On dit bien ça. Ah, c'est un. Ah. Ok. Si, 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 mais Izzy me l'a dit, mais j'ai pas compris. C'est aussi... Je pensais que c'était un coup d'un côté en fait. Ouais, ok. C'est ça, toi, ce titre, par exemple. Donc, oui, rejouer. Ouais, ok. On comprend. Ah, je pense que j'ai été mal. On va voir. C'était un peu trop, je pense. Ouais. Un peu trop et pas assez à droite. Ah, c'est pas facile, par contre. Bon, Zilan, faut choper Yoshi parce que ça fait une quête d'échange. Après, il y a le ticket aussi à choper, donc bon. Oui, je vais refaire un essai. Putain. Heureusement que j'ai les rubis. Hein. Ah putain. Je suis trop timide. C'est dans Man in Black ça, non? Non, Toy Story. Pas loin. Enfin, Yoshi, il est par terre, on est content avec ça. Ah, sûrement, il se relève. Il se relève pas Yoshi? Ah maintenant que je l'ai fait tomber il se... Putain. Oui, ok. J'ai le bon... Oh putain je suis pas mal là. Non là je suis bien là. Oh non! Non non mais là c'est du troll. C'est parce qu'il est tombé. Ah si c'est bon. Oh non! Ah oh, c'est du troll. Ah oh, mais c'est du troll complet. Après, je crois qu'il est directement bien placé. Ah, mais là, l'avantage, c'est que j'ai plus à le monter. De ouf. Ah non, je peux pas monter, moi, attends. Ok. Allez. Là, c'est bon, là. Putain, quoi. Oh putain, j'ai vu qu'il allait tomber, ce connard. Ce troll, quoi. Ouais, maintenant qu'on les choue, on va aller choper le cœur aussi. Pas mal, pas mal. Bien là. Eh bon. Pétage de cap ça. Ah, c'est bon. Ok, bon pas mal ça. Le petit cœur. Wouh. Vous avez gagné une peluche Yoshi. C'est Yoshi, on le voit tout, on le voit dans tout un tas de jeux ces temps-ci. Alors, non mais c'est indiqué. Non. Attends, non ça me dit rien. Ça s'appelle ça la quête des échanges. Non, c'est avant le château canulé. Ah il y a Ken Ken qui me parle. Tiens, alors c'est une peluche de Yoshi. Vous êtes trop fort monsieur. La chance, ma maman voulait vraiment une. Bon bah je suppose que je vais amener Ah comment, où j'habite? Au nord du village, dans la maison qui a deux portes d'entrée. Voilà. Même pas besoin d'avoir la solution pour ça. Ah si, c'est celle des... C'est un des quadruplés non? Ouais ça va être un des quadruplés. Je sais plus. Si c'est ça ouais. Si si, le père il voulait un truc. Le père il va me dire qu'il s'est perdu dans les montagnes. Il se perd dans le futur. Il prévient qu'il va se perdre dans le futur. Et la daronne. Tu offres cette peluche Yoshi à mon bébé? Oui.
Merci. Et je gagne un ruban. Vous avez changé votre peluche Yoshi contre un ruban. Peut-être le troquerez-vous aussi par la suite. Ah oui, bûcheron. Je sais pas où aller en fait, je sais toujours pas où il faut aller. À partir du moment où ça fait plus d'une demi-heure que je ne trouve pas la suite, alors parce qu'il y a eu marqué prairie, et si t'es pas content, c'est banlife. Hein. La seule raison pour laquelle j'ai pas encore banlife ta tête, c'est que j'y ai avec. Hein. Sinon, ça fait bien longtemps qu'elle aurait été dégagée depuis quelque part. Mais j'y suis allé dans la... Attends, la pâtée, mais quelle pâtée, je comprends pas. Afin d'échanger la pâtée contre des bananes. Mais je sais... Mais bon... Oh putain, c'est là qu'il fallait que je la chope avant, la conserve. Mais quel enfer. Mais comment tu peux deviner un truc pareil, quoi? Non, mais la conserve, je l'ai pas eu de base, moi. Mais je sais pas où je l'ai eu, la conserve. J'ai pas eu de conserve. Il te dit ensuite, prochaine étape, à la plage Coco, en dirigeant vers l'est. Blabla, Aligo, ça je m'en rappelle, la pâtée contre les bananes, image 11. Parce que les bananes... Non, il m'en parle pas, il me dit directement d'y aller. Plus t'as sauté des lignes dans la soluce. Non mais y'a pas là. Non c'est juste que... Zulan c'est dans une autre partie, c'était même avant la pâtée. Là j'ai voulu suivre le jeu. L'erreur. Putain elle est où la pâtée là? Là c'est une... T'es une quête tellement annexe. Eh bah écoute, si tu me dis bûcheron comment je peux aller dans ce putain de château canulet, je suis preneur. Hein. Parce que là, j'en peux plus, hein. Ah, mais je crois qu'il connaît, c'est vrai que c'est lui qui m'a. Parce que moi, là, quand je suis pour aller au château canulet, il me dit commencez par entrer à la salle de jeu au sud-est du village des mouettes. Et voilà, donc moi, j'étais, tu vois, j'étais dans le vent de château, et c'était fermé, il me dit d'aller donner les bananes à Kiki, sauf que j'ai pas de bananes. Afin que lui et ses amis construisent un pont et que vous récupériez un bâton. Ah, putain. Feuille d'or avec les cyclopes. Ouais. Voilà, donc il faut quoi qu'il arrive que je file des bananes à Kiki. Évidemment, pour filer des bananes à Kiki, il faut faire tout ça, quoi. Non, mais Nat, elle s'en rappelle pas. Donc c'est ça le problème. Tu te rappelles pas comment on va au château? Voilà. Tout à fait. Bah, donc c'est pas annexe. T'as pas le choix de faire ça pour avancer. Bah, non. Non, j'ai pas le choix, effectivement. Et donc, visiblement, pour avoir les bananes, faut quand même aller voir. Faut avoir la pâtée en conserve, là. Sauvez-moi. Parce que non mais j'avais effectivement oublié l'interaction de cette quête principale. Donc tu dis des bêtises. Et maintenant, et même si les backseater fous disent des bêtises, mais t'as demandé à Papy Ramolo. Il m'a parlé de banane. Je vais aller retourner voir le papy. On va retourner voir papy. On va retourner voir. Je sais. Je vais au coup de téléphone. Je vois le téléphone devant. Il y en a un dans la ville. Ah mais il faut pas aller dans un précis. Ah, ok, moi je pensais en fait qu'ils étaient liés à la zone. Ce qui est pas si déconnant en soi. J'ai cherché trop loin, c'est ça? Banane. Bon, alors. Parce que là, pour l'avoir fini ce mercredi, ça va être compliqué, ça continue. Bon, alors. Clic, clic. C'est moi, Pépé, t'as pas trouvé les 5 feuilles. Oh putain. Peut-être que le soldat est caché dans la salle à plus reculée du château, on a une sur lui. Ah, mais mec, je sais même pas. Bah non, là il me parle d'aller dans le château. Mais je sais même pas comment on va dans ton château, sac à merde. Pépé de mes couilles. Maison en coquillage. Ah, je suis allé jusqu'à là-bas. Attends, je vais aller voir. On va aller voir la coupe. Attends, on va. Mais c'est ça, quoi. C'est même. Il spoil le pépé, là. Oh, un coquillage. Non, attends, je vais aller voir. Je vais aller juste reparler dans là-bas. Parce que je sais où est le macaque. Le macaque, il est. Ici, je crois. Là, non, là. Voilà. Non, mais par contre, jusqu'à présent, il y avait un nugget qui venait me dire où je devais aller. Et d'un coup, il s'est mis en grève, ce bâtard. C'est ça le problème. Pourquoi est-ce que le hibou, là, il a pas continué à raconter sa vie, là? C'était très bien. Ça, j'ai même pas compris à quoi ça servait. À part que maintenant que c'est lumineux. On est un hôtel qui est devenu bleu. Ouais, c'est devenu bleu. Peut-être que c'est un hôtel de TP, ouais. Ouais, mais bon, j'en ai pas d'autre, donc pour l'instant, c'est un hôtel qui me TP sur place.
Ça se passe dans la ville, faut filer le ruban au petit chien. Non mais enfin... Clic clic, c'est moi Pépé, t'as pas retrouvé les 5 feuilles. Peut-être que le soldat qui se prend pour une taupe en a une sur lui. Oh putain. Eh le Pépé, je vais lui en caler une. Hein. Ça se passe dans la ville, faut filer... Mais oui, non mais les clébards, j'aurais parlé aussi, il se trouvait trop mignon, blablabla, je suis content pour lui. Bah non mais évidemment, faut filer le ruban à un clébard. Mais oui, j'ai parlé, il a fait waf waf waf, je suis trop mignon, je sais pas quoi. Mais tu crois que je me rappelle de ce qu'un clébard me raconte? Oui, c'est... Non mais je vois de quoi tu parles. Oui, pas le renard, le chien-chien. La boule, c'est un chomp. T'as bien compris, t'inquiète pas. Ça, c'est pas un chien, c'est un renard. Il fait ouif ouif ouif, lui. L'autre, il fait waf waf waf. Ça, c'est Toutou que j'ai sauvé. Il y a deux clébards, il y en a un ici. Waf waf waf, je suis un cacaille très branché. Voilà. Bah, bien sûr, très branché, donc il lui faut un ruban. C'est évident. C'est évident. Ce ruban, c'est l'un chien qu'il nous faut absolument, tu l'échanges contre ma pâtée. D'accord. Oui, bah... Oui. Non, mais à quel moment, parce que le clébard, il me dit qu'il est branché, je vais deviner qu'il lui faut un ruban. Qui sait qu'il a besoin de pâtée et qui peut en avoir? La maîtresse du chien. Mais quand le chien, il parle. Il prend le chien. Aïe, aïe, aïe. Ça va être compliqué, hein. Mais moi, la solution... Par contre, j'ai aucun problème à jouer avec un jeu avec une solution. Ah si, si, ça pose problème, Zulo. Hein. Mais je ferai quoi qu'il arrive plus rapidement que toi. Oui, je veux bien te donner... Merde, mais si... Attends. Oui... Hop, merci, vite à table. Ah, il ouvre même pas la boîte de conserve, l'alligator. Hein. Heureusement que Nat n'a pas le micro, j'aurais plus d'oreilles, je pense. Ah non, mais elle est insupportable. Hein. Non, il a dit qu'il aimait, qu'il était branché. Hein. Il parlait d'accessoires, j'en ai plus. Bon, les bananes. Bon, les bananes, Nat... Oui, d'accord, quand est-ce que tu reviens sur Anneau, là? T'as pas une joue à Anneau? Non, pas... Oh, oui. Non, non, juste aller jouer. Bah stream, vas-y, écoute. Tu peux streamer sur la connexion free. Hein. En fait, il est juste insupportable comme ça. C'est... Voilà. Non. Non. C'est faux. Ok. Mais donc toi, mais combien de fois les viewers sont en backseat? Donc Baron, les viewers sont en backseat parce que toi, ils sont en backseat en perma. Hein. Ah bah pour le coup, moi dans les indices aussi tout à l'heure. Bah si, c'est faux, j'ai trouvé là. Alors déjà, non, en fait. Casse-toi en fait. Non mais laisse-moi streamer, mais casse-toi en fait. Elle est insupportable. Hein. C'est fou car ce jeu, chaque personne bloque sur un truc différent. Ah, je bloquerai pas sur les boss, c'est tout ce que je peux te dire. Y'a pas d'accès à la première fois, je m'en rappelais pas. Ah, par contre, j'aurais jamais fait la connexion. Hein. En vrai, j'aurais pas fait la connexion parce que j'ai pas retenu ce qu'il a dit. Parce que pour moi, c'est un chien qui a fait ouf ouf et puis voilà quoi. C'était en mode mignon. C'était... Mais tu vas me laisser jouer, oui. Mais je veux pas que tu sois sympa, je veux que tu me foutes la paix. Je veux jouer. Bah, je suis méchant, voilà. Et maintenant, tu fais le passif agressif qui est classique des meufs là maintenant. Excuse-moi, c'est la culpabilité classique des meufs là. Laisse-moi jouer. JPP. Aïe 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 aïe. Not a... Ah non, ça va. Mercredi elle sera en stream sur Anneau. Nat on a backseat quand elle montait dans les tours, mais du coup on l'a laissé bien galérer. Alors ça, j'ai pas compris comment les tuer ces bêtes là. Fous-moi la paix. Putain, bâtard de love. Donc maintenant que j'ai les bananes, je retourne voir le macaque. Banane, oui.
Banane, banane, oulala, les copains, venez, on va la remercier. Donc il me fait un pont, là, c'est ça en face. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est choubi, par contre. Et il danse. Aïe, 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 aïe. Et j'ai un bout de bois. Vous avez amassé un bâton que les singes ont laissé tomber. Super. Château canulaire, ok. Donc là, il y a Richard, il veut des feuilles. Je suppose que ça va être important. Ok, il a toujours papier. Je veux voir s'il a les pieds, en fait. Vu là en gros. Alors, toi aussi, tu t'es beaucoup noyé. Bon, alors, papier à mollo. C'est moi, Pépé, t'as pas retrouvé les 5 feuilles. Si tu utilises les bombes dans les endroits suspects, ok. Alors, il avait dit qu'il y avait un chevalier taupe, endroit suspect, il y avait un autre truc, mais je sais plus quoi. J'aurais dû en racheter les bombes d'ailleurs. J'essaye. Je peux pas aller là. Non. Le jeu est très mignon, hein, mais alors c'est vrai qu'il faut faire des liaisons parfois, c'est. La gueule qu'il fait, Link. Ça me fume. C'est tout? Un point de vie? Pas ça. Ah, le corbeau. Ok, j'ai le corbeau. Corbeau! Ah! Sérieusement? Ok. Vous avez trouvé une feuille d'or. Plus que 4. Ah, mais le sauveteur, en même temps, c'est le démon. Moi je suis persuadé que ceux qui aiment le software sont des criminels en puissance. Hein. Comme try. Ok, je peux pas ouvrir la porte de l'autre côté par hasard? Non. Donc quelque part là-dedans, on doit avoir un chevalier taupe aussi. Là. Une feuille d'or. Ah, chevalier taupe. Oh putain. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh putain. Oh putain. Un cœur. Merci. Trois fois. Ah, plus de 3. Merde. Quatre fois, putain. C'est bon. Parce que c'est pas un boss. Les boss, c'est toujours 3 fois. Ok, chevalier taupe, c'est bon. Et de 2. Je crois qu'il m'en faut 5. Ah, la caméra avec salade, c'est beau. Ok, là, c'est là d'où je viens. On va faire un petit tour, avoir du soin. Filez-moi des cœurs, bande de bâtards. Ils sont vraiment très mignons. T'as l'impression de jouer un peu une sorte de jeu Lego Playmobil. Parfaitement adorable. Bon, on est dans le château. J'ai eu le corbeau, j'ai eu le chevalier taupe, j'ai eu... Oui, les endroits suspects, ça c'est les bombes ça. Après, j'aurais plus beaucoup les bombes, donc on paye moins. Il y aura une feuille, on sait pas pourquoi. Alors celle-là, écoutez...
J'étais sur le PC, mais c'est encore plus joli sur mobile. Ah. Alors, techniquement, c'est juste que ton écran mobile est sûrement meilleur que ton écran PC. On sous-estime beaucoup à quel point les écrans mobiles sont de grande qualité. Un exemple tout bête, le chat. Pour ceux qui passent entre le PC et le mobile, regardez mes emotes. Certaines de mes emotes, notamment le pigeon, pas une blague. Comme elles sont extrêmement travaillées, ça se voit moins sur PC parce que c'est grand. Mais sur mobile, c'est flagrant. Beaucoup de mes emotes, vous allez les redécouvrir sur mobile. No joke. Le cœur, par exemple. Le pigeon. Les emotes aussi. Ok. Les emotes aussi où vous dessinez de ma gueule. Pas mal des pas les photos, hein, vraiment les emotes dessinées. Tout ce qui a été fait en fait par Terrenard a une grande. Ok. Ah! Salut! Ah bon? Oh non, ça se trouve comme ça quoi. Dernière bombe. Là, je vais pas le regretter. Ah, il n'a pas lâché le trader. Pas de soucis. Je sais pas ce que t'as comme téléphone, Bookie, mais généralement les téléphones sont. Maintenant, je suis en 1540p avec des écrans OLED en fait. C'est surtout l'écran OLED qui est beaucoup. Qui n'est pas disponible pour les PC. Et c'est vrai que ça rajoute une qualité assez ouf, le OLED en termes de colorimétrie. Ah. Merci. Ah! J'ai pété toutes les jarres. Bah tu... Merde, c'est pas ça. Samsung S20, ouais. Ça fait partie des trucs qui doivent être jolis. Mais non, mais je te demande rien, c'est pas grave. Ou alors, si tu veux, écoute, tu te poses et on en discute à deux, pas de soucis. Alors, attendez. Donc là, le seul symbole, c'est ouvert et ça ferme avec les... Attends, j'en récupère, il y avait des bombes. Ok, donc c'est pas... Okay. Moi j'ai une bombe et j'ai un cœur. Il n'y a pas de truc qui est à moitié pété. J'ai tout le mur qui est un peu pété. 10h53. Où est-ce que ça peut être? Parce que là, je l'ai eu à moitié le truc suspect. Là, en plus, ça fait vraiment l'entrée principale du château, quoi. Ou alors c'est en bas, juste. Ah, j'y suis déjà allé. Hein. Il m'en manque une feuille d'or. Pour moi, ce qui est bien, c'est quand le pont est ouvert. On va retourner voir papy. Avec toi là. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre papy? C'est moi Pépé, tu n'as pas encore trouvé les 5 feuilles. Le soldat caché dans la salle la plus reculée du château, on a une sur lui. Bah alors, oui, bah ça doit être là-haut quoi, mais c'est le mec rouge qu'on a vu en fait. Je viens de citer qu'il y avait un mec avec une sorte de fléau, pas un fléau. Je sais pas ça. Un truc qui tourne vilain. Ouais, lui je l'ai vu. Bon. Donc c'est lui qui a la dernière effectivement, donc c'est bien dans le château, mais. Comment la choper hein? Alors, on va voir s'il n'y a pas d'autre passage. Bonne petite ligne des familles, hein. On aime toujours ça. Donc là, j'y suis. Voilà, il est là. C'est lui donc qui a la dernière feuille. Ok, la question étant comment je l'atteins. Ok, il est bien là. D'accord, donc c'est la porte qui se ferme à chaque fois. Ou la seule réponse que j'ai, c'est que j'ai une jarre. J'arrive pas à aller dans la dernière salle. Là. Mais ça, c'est...
Donc j'ai bien compris qu'il y avait une histoire avec les jars. Et si donc faut pas les détruire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou alors... Attendez. Bien compris qu'il y a un truc avec les jars, hein, quand je vois ça, mais... Non, c'est pas ça. Ah ! Putain. Putain. Cherchais trop loin. Cinq fois donc. Plus de cinq fois. Et bon, il y avait 5. Apportez à Richard et parlez de la récompense qu'il vous a promise. Bon, on est on track. On va voir s'il n'y a pas les petits cœurs là, attendez. Avant de se faire buter par un mob nul. Ah, ou des bombes, hein. Toujours bien aussi, les petites bombes.